que ce match allait être difficile parce qu'on a supervisé quand même l'adversaire. C'est une très bonne équipe avec des individualités d'un très bon niveau. Ils étaient bien organisés, ils nous ont fait beaucoup de mal, ils ont marqué le premier. Ce n'était pas vraiment facile. Heureusement pour nous, grâce à notre expérience, on n'a pas paniqué, on a su revenir avant la mi-temps. C'était décisif. C'était décisif. Donc pour la deuxième mi-temps, on a su marquer le, grâce à notre banc, grâce aux nouveaux joueurs. Donc c'était un match vraiment très 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 difficile. Une défaite amère parce que je pense qu'on a bien contrôlé les situations. C'est un adversaire qu'on connaissait très très bien. C'est qu'ils aiment avoir, en tout cas, ils aiment maîtriser l'intérieur du jeu avec Koulibaly et Chali. Les joueurs qu'on a su contrôler quand ils sortaient les ballons, parce que c'est eux qui assurent les premières relances en dehors des centraux. Donc il fallait contrôler ces joueurs et isoler Badri et Kenissi, ce qu'on a très très bien réussi à faire. Et ils n'ont pas en tout cas réussi à faire le football qu'ils font d'habitude, parce que, comme je l'ai dit, dans les zones stratégiques, on a été présents. Malheureusement, on prend deux buts pour moi très très évitables. Le deuxième but, on voit que le gardien a glissé sur sa sortie, le penalty, bon, il faut voir. Mais ce que je dis aussi, moi, je n'ai pas l'habitude de parler d'arbitrage, mais après, si on n'arrive pas à avancer en Afrique, c'est aussi ce genre d'arbitrage. Bon, pour toute équipe qui se respecte, on a pris tous les renseignements nécessaires sur le club. C'est tout à fait normal. On a suivi le match de la Champions League et aussi dans votre championnat. Donc on a une bonne idée sur cette équipe. Et concernant le premier but, ce n'est ni la première ni la dernière fois qu'on encaisse un but. C'est tout à fait normal qu'il fallait réagir et on a su réagir. À 0-0, quand vous regardez les images, il y a un penalty pour le premier. Il ne siffle pas, après il siffle derrière le penalty, on ne voit même pas. Mais bon, il faut qu'on continue nous de notre côté à travailler parce que voilà, on vient d'arriver à. Dans cette compétition, mais on n'aura aucun complexe face à aucun adversaire parce qu'on sait que nous avons des joueurs de qualité. Maintenant, il faut continuer à grandir et à retenir les leçons.